Lens contre Boulogne, ce duel de boyaux rouges justifiait parfaitement la chanson des corons. Ce derby du Pas-de-Calais a tenu toutes ses promesses. L'USBCO ouvre le score à la 22e minute après cette erreur de Hafez. Corocone passe en revue la défense lensoise et donne l'avantage à Boulogne. Les sang et or sont fébriles à l'image de cette mésentente entre Jérémy Vachou et Dancler. Au repos, les Maritimes mènent logiquement 1-0. En première mi-temps, on a plus fait un match amical qu'un match de coupe. Il faut aussi dire que l'adversaire avait de la qualité et lui, dès les premières secondes, était là pour se qualifier alors que nous, on n'y était pas. Sermonnés par leur coach, les sang et or vont réagir après le repos. Ils obtiennent un pénalty pour cette faute de Konaté sur Gérard. Christian Lopez marque en finesse pour l'égalisation à l'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, Lens double la mise grâce à Souleymane Diarra. Les supporters lensois, moins nombreux qu'à l'habitude, jubilent. Mais ils vont être refroidis quand Koné égalise quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Il faut jouer les prolongations. C'était pas immérité parce qu'on prend un pénalty, un coup franc, finalement on prend deux buts sur phase arrêtée. On a deux face à face. Au vu des occasions nettes, je trouve que ça aurait pas été mérité d'aller au pénalty. Mais de pénalty, il n'y aura point car Christian Lopez, encore lui, offre la qualification à son équipe après ce match serré et plaisant. Ils ont été réalistes devant le but. Nous, on a raté quelques petites occasions. Puis c'est dommage, après, voilà, on est un peu dégoûté d'avoir perdu. Mais bon, on a joué face à une très bonne équipe de Lens. On pensait avoir fait plus dur en mettant le 2-1. Et on se fait égaliser à 2 minutes de la fin. Donc c'est vrai que c'est dommage. Mais le plus important, c'est vrai qu'on se qualifie et c'est bien. Au prochain tour, les soldats de Captain Sico affronteront les Bretons de Saint-Brieuc. Mais avant cela, retour au championnat.